Eh bien, salut à toutes et à tous, ici MegaMedi144, et donc je vous retrouve pour le sixième épisode de The Underscroll avec ce magnifique dragon devant vos yeux ébahis, je l'imagine. Voilà, dans le dernier épisode qui était assez, comment dire, useless, si je puis me permettre, j'avais atteint cet endroit, parlé à l'autre Enderman bizarre, je ne sais plus son nom, attendez, c'était Xokar, voilà, le nom très original d'ailleurs. Puis il m'avait dit donc que je devais aller battre le dragon. Attendez, je vais deux secondes régler quelque chose. Voilà, je ne veux pas recevoir de messages pendant cette vidéo, ça pourrait être un peu foireux. Voilà, donc voilà, il nous a dit qu'on devait aller battre ce dragon qui a l'air tout à fait, comment dire, imposant, si je peux me permettre. Avec ma petite dague en fer qui fait un petit peu petite bille, je vais pas trop m'en sortir, je pense. Non, c'est pas grave, on va quand même tenter. Allez, j'y vais. Oh, il excite, pardon. Alors, je suis en train de divaguer. Surtout qu'il m'attaque alors que j'ai même pas pu le toucher. Allez, laisse-moi t'en mettre une. Eh mais il est fort. Aïe, aïe, aïe. Ok, je suis mort. Bon, je vous rassure les gens. Bon, j'ai fait un peu mon cheater. J'ai mis un point de spawn. Hein. Je suis désolé de faire un peu mon cheater. Mais quand même, vous comprenez qu'avec un boss comme ça et une dague en fer. Surtout, j'ai même pas eu à passer un coup. Hein, donc, imaginez un peu sur le spawn. Il est super badass ce dragon. Mais j'arrive même pas à le toucher. Je fais comment pour le toucher? Ah, attendez les gens, j'ai un petit bug là parce que j'arrive pas à lui passer un coup. Ah. Attendez, regardez le nombre de dégâts que ça lui enlève. Waouh, ça a tellement bougé. Oh merde. Ça va pas le faire. Allez, 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 on se fait là, on se fait. Allez! Oh putain, c'est chaud, c'est chaud. Ah, c'est extrêmement chaud. Allez! Allez, les gens! Non, putain, c'est pas une bonne idée. En fait, ce qui est compliqué avec ce boss, c'est que. Il nous met en feu déjà. Et il n'y a aucune chance d'activer ses coups. Cool. Et oh! J'ai réussi! Yeah! Yeah, motherfuckers! Oh, ça fait beaucoup de pièces. Yeah! C'était classe! C'était très classe! Bon, j'espère que vous appréciez ce petit fight. Moi, je pensais pas quand même qu'il serait aussi simple parce que mine de rien, j'ai pas trop galéré. Bon, aussi, faut dire que j'ai un peu fait, comment dire, mon tricheur. Parce que voilà, on se comprend que. Avec le set spawn qui est ici, voilà, c'est sûr que c'est pas très fair play. Mais bon, vous comprenez que ça aurait été quand même assez chiant, en fait. Je devais choisir entre faire le mec chiant comme ça, aller vous mettre des longues scènes de marche comme ça à chaque fois, entre chaque mort. Ou faire le mec qui se la joue tranquille, posé, on met des spawn points un peu partout dès qu'on en a envie. Mais bon, vous comprenez que c'est toujours mieux ça que plutôt que de, voilà, de marcher, de perdre du temps. Bref, voilà, d'ailleurs j'ai mis un chrono pour cet épisode de mon côté, donc l'épisode ne devra pas durer trop longtemps. Je l'arrêterai à 25 ou grand maximum 30 minutes si je suis en train de faire une chose. Bref, ça fait plaisir, c'est le plaisir comme on dit. Faut que je mange par contre. C'est un peu du hors sujet, mais il faut que je mange. Allez, on va rentrer à la maison, on va faire des petits pains, on va se remettre de toutes nos aventures, même si on n'a pas vécu grand-chose pour l'instant. Bref. En tout cas, voilà, j'ai pas encore eu vos retours sur l'épisode 5, vu que je tourne à la suite, faut savoir. Parce que j'ai pas pu attendre pour faire ce fight quand même, voilà, vous vous en doutez, je me suis fait un petit plaisir. Mais je sortirai pas les deux épisodes à la suite parce que sinon après voilà ça va faire un peu trop de underscroll et vous allez vous lasser. Donc voilà, je préfère sortir les vidéos comment dire avec un petit temps d'écart quand même entre elles, genre au moins un jour d'écart parce que sinon ça va pas le faire. Bref, qu'est-ce que je fais moi, je vais ici mais je sais même pas si c'est où qu'il faut aller. Oh merde, je devais aller parler à l'autre. Désolé du mot vulgaire, mais je devais aller parler à l'Enderman. Oh là là, je me sens bête. Bon bah attendez, je fais une petite ellipse, le temps d'y retourner. Voilà, je me suis suicidé, c'était plus simple. Hein. Ça nous fait aller plus vite. Mais tout à l'heure, je lui ai parlé, il me faisait rien. Qu'est-ce qui se passe, mon ami? Tu ne veux plus me parler? Bon, mais il veut plus me parler. Waouh, c'est quoi ce... Bon, je pense que ça doit encore être un petit bug. Bah écoutez, genre, je vais faire quelque chose de simple et rapide. Voilà. Je ne veux pas me parler. Ah, voilà. Merci.
J'ai entendu Elijah parler à propos du parchemin. Il l'appelle le parchemin de l'Ender, enfin de l'Ende, quoi. Si une personne lève le parchemin et comprend les mots, il peut prévenir les Endermans près de la téléportation, je crois. Il pense que c'est le seul moyen d'arrêter Elijah. Non, je pense que c'est le seul moyen d'arrêter Elijah. Je ne pense pas, je ne sais pas vraiment où il est. Vous devriez aller demander à à certaines personnes. Nous nous reverrons plus tard. Maintenant, partez. Terminé. Voilà. Newscast. Newsquest. 11. Where is the Ender Scroll? Voilà, ça c'est badass. Oh, on aime ça. Bref. Main quest. The Scroll. Donc, l'Ender Scroll est le seul moyen pour arrêter Elijah. Vous devriez parler avec Andrew à Woodar. Oh, on va aller revoir notre cher Andrew. Bon, on n'en avait pas bien connu. Hein, voilà, ce sera l'occasion de boire un petit thé. Voilà, de discuter autour d'un verre. Alors, on va se boire un petit Ricard, un petit 51 autour de la table ronde des chevaliers. Ça va faire plaisir. Hein, voilà. Voilà, on va se faire plaisir. Le coin trader, toi par contre, ouais, toi je vais te parler, merci, c'est le plaisir. Hop, hop, hop. J'ai rien à mettre ici, peut-être. Ouais, j'ai plus d'armure. Donc hop, ça fait plaisir aussi. J'emploie beaucoup le mot de plaisir, vous devez penser que je suis un pervers. Mais c'est pas grave, ça arrive. Le pain, je le prends avec moi, parce que voilà. Parce que fuck off. Ah, vous avez manqué le fuck off, je pense. Oh, fuck off. C'est tellement de dissidents quand je parle. Bref, on va aller reparler à notre cher ami. Putain, ça fait déjà 7 minutes, les gens. Le temps passe extrêmement vite sur cette map, sur cette série. Moi, faut dire que je m'amuse beaucoup. Hein. Voilà, c'est un peu la série détente sur ma chaîne pour faire passer le temps. Il y aura d'autres projets. En attendant Paydaycraft, par exemple, j'ai un projet RP. Peut-être même plus RP que Paydaycraft, parce que Paydaycraft, c'est RP, mais quand même, ça. En fait, ça reste dans le RP, no RP. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le. Il y a des pédophiles, il y a des braquages et tout, mais pas très, comment dire, voilà, on verra pas ça dans la vraie vie, on verra pas. Deux pédophiles s'enfuient en cherchant une école maternelle et trouvent un jeune homme nommé Mehdi, parce que oui, on connaît son nom, mais on l'arrête pas parce qu'on n'a rien à battre de lui. Et voilà, non, vous trouverez pas ça dans la vraie vie, ça paraît un peu logique, mais bon, voilà, ça reste dans le RP, no RP, on va dire, c'est ma façon de voir les choses. Andrew, oh, bon, c'est bien de vous voir, mon ami. Oui, bon, toi, t'es pas mon ami déjà, donc tu vas te calmer. Bref, oui, donc voilà. Alors que cette série-là que je vous parle, ce sera vraiment du pur RP qui fait plaisir comme on aime. Voilà, le bon vieux RP. Dites-lui tout ce qui est arrivé. L'Ender Scroll. Je ne peux pas y croire. Je sais où est-ce qu'il est. Quoi? Vraiment? Bien. Enfin, oui, je pense. Je pense que vous ne voulez pas entendre. Que vous ne. Vous ne vouliez pas en savoir à propos de ça. Mais vous avez à parler avec le Jarl à Faes. Faes est un village Dwemer. Si le parchemin existe, il y sera. Oh, génial. Donc je pourrais peut-être retourner en prison. Voilà. Ouais, en gros, c'est pour ça qu'il me disait que ça nous ferait peut-être. Ah, tiens, j'arrive pas à parler. Ça nous ferait peut-être pas plaisir, c'est parce que voilà, on va retourner dans ce bon vieux village où on s'est fait mettre en prison avec des psychopathes, tout simplement. C'était du limite du Outlast, le truc. Alors, d'ailleurs, je vais arrêter un peu de gueuler dans mon micro parce que là, je suis en train de dire de la merde depuis tout à l'heure, tout simplement. Et on m'a dit que j'avais encore oublié un tableau. Alors, enfin, un coffre. Alors, vous savez qu'est-ce que je vais faire? Oui, voilà, moi je suis comme ça. Moi je casse les tableaux, voilà. Parce que j'ai aucun respect. Et je ne sais pas où est ce tableau-là. Alors, la personne qui m'a dit ça, ce serait sympa de me dire l'endroit où est cassé ce coffre. Parce que quand même. D'ailleurs, on me dit dans tous les épisodes que j'ai oublié le coffre. Mais ok, mais. Avec tous les villages qu'il y a, à moins que vous parliez. Parce que moi, je pensais qu'on parlait de celui-là, donc ok. Mais moi je vois pas de coffre ici, hein. J'ai beau casser les tableaux. Mais logiquement, il n'y a pas de coffre vu que j'ai mon shader qui voit à travers les murs. Donc ouais. Bref, c'est pas important. On va pas s'attarder là-dessus. Je n'en vois pas l'intérêt. Donc 10 minutes qu'on tourne, les gens.
Ça va, on est en train de quand même, on gagne un peu de temps là, on essaie d'aller vite, d'être efficace. Non pas que je veuille terminer cette map vite, mais comme je vous l'ai dit, je préfère des. Enfin, je sais pas si je l'ai dit, mais je préfère faire des épisodes. Et, oh, notre suicidaire! Je préfère faire des épisodes assez courts, mais dans lesquels on fait des choses plutôt que des longs épisodes où on marche et on fait ci, on fait ça. Mais c'est ennuyant quoi. Oh, bonjour! Je pense que vous avez pour moi quelque chose. Ou que vous avez quelque chose à me dire ou un truc genre. Oui, je sais, j'ai un message de Andrew. Le parchemin est dans une ruine, près de. Enfin, à l'est de Faes. C'est une structure en or. Voilà la clé, ma famille l'a protégée pendant des générations. Merci. Et voici quelques. Voici quelques bijoux, c'est quelque chose que. Enfin voilà quoi, c'est pour se faire pardonner. C'est génial! Oh bah merci, ça fait plaisir. Oh le diamant! Ouf. Merci madame, c'est très gentil. J'en prendrai soin avec le vendeur. Voilà, c'est la manière de dire je vais vendre tes trucs parce que j'ai aucun respect pour toi. Toi? Est-ce que je peux t'acheter des choses parce que je deviens pauvre moi? C'est pas tout ça, mais. Ouais. Est-ce que je me rachète ça? Ah écoutez, je vais m'en racheter une, on sait jamais. Ça fait toujours. J'ai arrêté de dire, ça fait toujours plaisir parce qu'après ça vous saoule. Toi tu me vends des bijoux, non? Non, toi tu vends pas de bijoux, dommage. C'est bien bête. Personne ne me vend des bijoux ici. Ah, je crois que c'est ici qu'on devait aller. Non, c'est pas ici? Non. Non, c'est pas ici, ça c'est la prison. J'ai pas envie de retourner là-dedans, moi ça m'intéresse pas. Ouais, bon, on va aller vendre nos bijoux, les gens, parce que ça fait toujours. Je vais pas dire. Non, non, j'avais dit que j'arrêterais de dire ça fait plaisir. Désolé, genre, c'est une habitude, j'ai pris cette mauvaise habitude, ah, voilà, ça arrive. Donc, en fait, je crois que je vais mettre un. Je vais peut-être mettre un compteur de. Ça fait plaisir. Où est-ce qu'il est le vendeur de bijoux? Il n'y en a pas ici. Bon, bah c'est dommage. C'est dommage les gens, je l'ai pas vu, bah on va pas s'attarder là-dessus. C'est pas bien grave. Puff, je vais tout ranger. Bon voilà, je vais garder mes bijoux ici. Les pommes de terre, ça dégage, ça n'a rien à faire ici. Et je n'ai pas besoin d'aller parler à cet homme car nous devons aller à l'est d'ici. Donc l'est, si je me trompe pas, c'est par là. Je pense. Bon, de toute façon, c'est pas possible que ce soit par là. Donc voilà, on va aller par là. Si c'est pas ça, je me sentirais bête. Mais en même temps, j'ai jamais été très fort pour l'orientation au niveau de nord, est, ouest, etc. etc. Bref. On va éviter de parler de mes compétences parce qu'après, je vais me taper la honte devant 5000 personnes. Même plus. Ah, je pense que c'est là-bas. Bonjour. Ça va? Tranquille? Je peux me permettre de te tuer pour voir ce que tu lootes? Ouais, ça va, tu lootes des bons trucs. Allez, bon, on va se les faire, les gens, on va se les faire, on est des fous. Ça nous vengera un peu là pour l'autre épisode là où on se faisait marabouter. Oula, non, mais là c'est moi là qui me fait. Ah, ça recommence! Non! Flashback! Je revois dans ma tête là toutes ces scènes là d'humiliation avec ces Enderman et ces Raiders. Non, allez, je vais pas mourir là. Je ne peux pas, c'est une honte. Je sens bien le gars là qui va arriver par derrière pour me toucher les fesses. Allez, voilà, c'est bon. Allez, quand même, là j'ai géré par contre. On peut rien dire. J'estime quand même qu'il y a du respect à avoir envers moi là par contre. Je vais garder ces petites bottes, elles sont mignonnes, elles font plaisir. Et je les redis les gens. Bah écoutez, c'est pas ma faute, c'est plus fort que moi. Non, sérieusement, je pense que je vais vraiment m'arrêter parce que ça devient un peu chelou là. Les squelettes. Oh, j'aime beaucoup les skins. Est-ce qu'ils sont faciles à battre? Ouais, ça va. Oh! Oh, merci, ça fait plaisir. Oh merde, je l'ai encore dit!
Oh merde, non, pardon, 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 désolé, 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 deux secondes. Putain, mais j'ai encore dit quoi. Oh mais non, mais c'est pas possible les gens, putain, mais je sais dire que ça maintenant. Waouh, je sais pas en plus d'où ça vient, je sais pas d'où ça vient là, ce... dire des conneries comme ça. Putain. Bon ben voilà, je suis désolé les gens, ça arrive de dire, voilà, d'avoir des habitudes comme ça. Enfin, on va passer, on va éviter de s'attarder avec ces personnes très désagréables, je trouve. Mais bon, c'est pas ici qu'il faut aller. Bon, on va y aller quand même, rien que pour... Pas pour le plaisir, voilà, je vais pas le dire cette fois. Pour explorer les environs, voilà. Même si là, pour l'instant, je suis en train de surtout d'explorer ma future tombe. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, j'ai géré, je suis fort. C'est chaud. Ça... C'est de la merde, donc je remplace. Ça va aller ici en fait, parce qu'on n'a pas encore besoin pour l'instant. Hop, 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 voilà. Allez, crevez. Et ils sont chauds à bout quand même. Là j'aime bien, par contre ça va, parce que y a pas non plus trop de difficultés, c'est pas non plus trop trop dur pour moi, donc ça va, j'arrive à tenir la difficulté là. Voilà. Je vais replacer fort, je vais me garder précieusement. Putain, putain, putain. Ah non, 2 contre 1, c'est dégueulasse. Je sens que j'ai crevé là. Ah non, c'est... Allez, on se motive les gens, allez. Putain, c'est vrai qu'elle me veut. Je gagne masse de pièces, hein, ça, truc de fou. Putain, la map, il est généreux. Hein. Je pense que c'était un bénévole. Mais bon, à son avis, le mec, il aimait donner de l'argent. Oh... Pauvre, genre comme ça, voilà, c'était quelqu'un de très aimable, j'imagine. Parce que voilà, avec lui, on est riche, ça fait le plaisir. Voilà, je lui ai encore dit, ben oui, eh ben écoutez les gens, je peux pas m'en empêcher, je crois. Et du coup, ben voilà, je pense que le compteur, je vais vraiment le mettre dans cet épisode. Non, je vais pas mettre de compteur. Parce que j'ai fait. Vous savez, le gros flemmard de service, vous voyez, c'est normal, c'est le fait. Oula, lui, je le sens pas, lui. Lui, je le sens pas du tout, lui. On va attendre de régénérer un peu là parce que je sais pas. Ouais, on va attendre de régénérer. Heureux, voilà. Normalement là c'est bon, on peut y aller. J'ai fait la petite ellipse comme ça de dernière minute. Oh mais ça va, c'est lui qui vient à nous en plus. Voilà, bah, il est poli. C'est lui qui vient là. Allez, on va se le faire. Oh, oh. Je suis en train de le défoncer, je suis en train de le marrer. Voilà, c'est bon. Ça fait bonheur. Voilà, je change. La quai. La clé de Vestax, ça c'est un truc de quête. Bon bah moi ce sera fait les gens, je vais dire, ça fait plaisir. Putain non, je l'ai encore dit. Putain mais j'arrive pas à m'empêcher de dire ça. Ah non mais je m'en fous les gens, je m'en fous, je le mets vraiment le compteur. Le compteur je m'en fiche, je le mets dans cet épisode. Oh là là, putain, mais je le dis trop, j'arrive pas à m'empêcher de le dire les gens. C'est pas possible. Oh là là. Bon allez, c'est pas grave, on va pas s'attarder là-dessus parce que on va pas s'en sortir. Je vais aussi mettre ça là-dedans. Et voilà, on y va, on est parti. On va vers les ruines. Oh, il y a des gentils. On va voir les gens qui mangent. Kurst. Chem. Oui. Oh, j'ai une nouvelle quête. So, donc, ma fille vous a donné les clés. Vous a donné la clé. Est-ce que vous êtes vraiment sûr de vouloir rentrer dans ces ruines? Pourquoi? La plupart du temps, je protège les ruines, mais de dehors. Dehors, quoi.
Mais je sais que qu'il y a ces créatures. Bon d'accord, en gros il nous prévient qu'il y a des putains de créatures monstrueuses qui veulent te faire mal aux fesses. Donc je veux. Bon déjà je vais mettre mon spawn point parce qu'on sait jamais. Je veux entrer dans les ruines. Merde. Je veux entrer dans les ruines. Voilà. Il y a des gens badass. Par contre j'ai déjà plus de faux. C'est pas possible. Oui, ils font mal. Putain. Eh mais j'en chie. Tu m'as pas vu. Je suis aussi discret qu'un chat. Je suis un chat. Le mec il bouffe son steak comme ça devant les mains. Aïe! Ah! Putain ils font mal! Comment ils font trop mal! Eh mais c'est un truc de dingue les gens! Eh mais c'est pas possible! What? Ah, il arrive plus à me toucher! Ah, j'ai pas allé trop vite. Voilà. Respect my fucking authority! Motherfucker! Motherfucker! Crève! Ah, c'est bon. On va se sortir, on va se sortir, on va se sortir. C'est bon. No problem, déjà. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Non. Si. Non. Si. Non. C'est pas grave. Ok. Oh, je les sens super mal. Oh, je sens que c'est les mobs qui vont te sauter à la gueule, t'as même pas eu le temps de les voir venir. Bon, des thugs! Oh putain! C'est ce que je pensais. C'est super chaud les gens, c'est super chaud. C'est super chaud. Heureusement qu'on a un spawn point parce que sinon vous avez vu que là j'aurais fait un câble. Ah c'est bon, je fais la technique. Oh, oh t'as pas la tactique. T'as pas la technique ni le style. Tactique, plutôt, pas la technique. Ici là, je vais s'en mettre ici. Putain mais mec comment je le repousse quoi. Le mec est tellement de violence le pauvre. Alors qu'est-ce qu'il y a par là? Il n'y a pas du stuff. Oui, si, bah quand même. Un peu d'easter egg, voilà, ça se fait toujours plaisir. Oh merde, j'ai encore du. Bon, c'est pas grave, je suis perdu. J'arrive pas à m'en sortir, c'est un truc de dingue. C'est pas possible, hein, je suis pas empêché en fait. Non, c'est vraiment une priorité en fait pour moi de dire ça. Oh. Eh, j'aime pas se bouger les gens. J'aime pas ce. Bon, on est fou. Oh, il est fou. Eh, ouais, c'est un maman radio. Oh putain, on va se faire éclater. Splash. Clear. Clear. Voilà, la pluie, ça gâche tout. Je veux entrer dans les ruines. Je parle surtout des items à cause du bug de shader. Hein. Je parle pas du fait que c'est nul, la pluie. Hein, parce que nous, on aime la pluie là. Bon, je comprends qu'on s'en fout un peu du temps dans une ville. Rien ici. Quelqu'un qui veuille me violer. Non, ça fait plaisir. J'ai encore dit. Bah oui, j'ai encore dit. Non, on est habitué, je pense, avec moi. Oh, il peut pas passer. Oh, t'as l'air con, hein. Oh, t'as. Ah, oh, merde. Ah, putain, il aurait quand même tapé, ce connard. Putain. Crève. Crève. Voilà. Elle est bien quand même cette taille, j'ai bien fait de la garder. Je me suis dit que j'allais pas la jeter quand même. Putain. Oh! Saloperie de merde. Bon, je deviens vulgaire, hein. Je suis vraiment désolé les gens. Bon, c'est pas comme si vous avez pas l'habitude des fois, mais. Je comprends que. Des fois là je stresse en ce moment donc enfin je suis en train de faire un gros stress là sur cette map. Mais en tout cas j'aime bien, ça c'est un bon donjon franchement. Déjà j'aime bien le design parce que ça fait toujours peur, voilà, pas plaisir. Toujours kiffé ce genre de design, j'aime bien. C'est beau. Bien. C'est totalement ridicule par contre ce fight. J'ai buté comme ça quoi.
Yes, un anneau. Je sais pas trop à quoi il sert, mais c'est pas grave, on ira le revendre. Healing potion. Pas encore besoin. Oh, des araignées d'eau. Oh là là. Oh, j'aime pas ça. Ça, j'aime pas ça. Je sens mal. Ah non, c'est salaud. En fait, si on tombe, on se fait défoncer par les araignées, je crois. Ouais, on se fait défoncer si on tombe. Ah, j'aime bien ça. J'aime bien le concept du truc là. J'adore le concept. Hop, hop, hop. Allez, on y va. Ouais, on est passé. Oh, ça passe tellement crème. Est-ce qu'on va essayer quand même de se les faire? Ouais, vas-y, on va essayer de se les faire. On est fou. Juste envie de me les faire comme ça pour voir ce qu'il loot. Si je vois qu'il loot un beau truc, je vais aller me le faire. Non, c'est bon, il loot rien en fait, c'est la merde. Ok, bon, on va éviter de perdre la vie pour rien. Hop. Voilà. Merci. Ah, je sens le boss. Ouais, j'étais sûr. Ouais, bah ça va, on a un beau boss. Il est sûr. Ok, j'aime pas ça. Merci. Ah putain, il m'a vu. Moi, j'aime bien les bruits de blaze, ça rend bien. Avec l'arme. Tu sais qu'on peut se le faire sans mourir. Allez, on tente. On a géré les gens, on a géré. Oh putain, il a looté son arme. Oh, ouf. Oh ce swag, oh ce swag, oh ce swag. Oh, il a même laissé sa couronne. Oh ce swag. Oh, celle-là je la jette tellement que j'ai pas de respect. Oh, il y a une barre scroll aussi. Oh, trop classé. Là je suis fier. Vous voyez là, je sens monter la fierté en moi. Oh, j'ai tout, j'ai Ender Scroll, j'ai du ping, on a du ping, ça fait plaisir. Non, ça c'est un peu nul quand même. J'ai un anneau. Ouais, ça va quand même, il y a du loot. J'ai une deal potion, je vais l'utiliser maintenant puisque la flemme de régène. Y'a rien d'autre? Vous savez, le mec trop gourmand, y a rien, c'est bon, c'est faible. Mudada. Non, on va pas se contenter de ça quand même parce que c'est. Enfin, on va pas dire que c'est. On va. Ah. On va se contenter de ça, je veux dire, parce que c'est quand même génial. Voilà, c'est bon. Alors, qu'est-ce que tu... Non, tu me dis plus... Merde! Non! Bon, j'ai l'air con, mais c'est pas grave. On y revend. C'est pas grave, les gens. On peut repasser, ça fait toujours... pitié. Voilà. Voilà, ça fait toujours pitié. J'essaie de pas dire le mot, hein. Écoutez, hein, je suis pas très doué, je sais, mais... Je suis pas trop doué, mais c'est pas grave. Hop, et là, rien que pour faire mon thug. Oh non, merde, c'est pas. Merde, j'ai rien fait du tout là. Merde! Saloperie. Ah! Oh non! Oh, ça aurait pu être tellement beau. Voilà, un peu comme ça. Ouais, ouais, on sent qu'il y a la manière et le style, mais le geste n'y est pas. Ouais. Je remarque généreux 2013-2014. Même sur les 2015. Merde, ça arrive. Bon bah du coup je me sens un peu con parce que je suis revenu alors que c'était totalement useless. Peut-être que... Il y a encore un truc... Non, on a rien laissé. Oh, on est des rapaces. Hop. Voilà, on quitte et maintenant on revient plus ici. Et ouais bon c'est bon, mon spawn point il est sur le mec donc... pas bien grave. Hop, il y a une sorte de structure là-bas, on va pas s'en soucier. C'est pas important. Est-ce que... Que... Oula, toi là, toi, tu veux te battre? Ok, tu veux te battre. Mais j'ai eu le tigre qui est venu par derrière pour me faire des choses. Ça fait 30 minutes qu'on tourne les gens, donc écoutez, bah de toute façon voilà, ça fait 30 minutes qu'on tourne. Donc au pire, on se retrouvera pour aller, enfin on ira rendre le parchemin dans le prochain épisode. Voilà, 30 minutes de vidéo, c'est suffisant pour vous, je l'espère. Voilà, donc allez, à plus tout le monde, c'était Megami54, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, et j'en oublie. Voilà, donc allez, à plus tout le monde.